Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 10e numéro de Super Mario Maker, la série du dimanche. Je joue à vos niveaux, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc c'est parti pour un nouveau dimanche avec encore la liste de niveaux qui s'est un petit peu allongée entre temps. Et je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va partir directement dans le vif du sujet. Et cette fois-ci nous allons, comme c'était le cas il y a 3 épisodes, donc à l'épisode 7, nous allons dire honneur aux dames, puisque le premier niveau nous est proposé par The Dangerous Anna, qui nous a pas donné beaucoup de détails sur ce niveau, mais une chose est sûre, c'est qu'elle nous l'a donné. Je rappelle que les codes des niveaux auxquels nous jouons aujourd'hui sont disponibles dans la description, vous pourrez les essayer chez vous. Et si vous avez un code de niveau, que ce soit un niveau que vous ayez créé ou un niveau que vous ayez trouvé sur internet, il vous suffit de le laisser dans un commentaire, et vous aurez droit à l'accusé de réception de ma part pour dire que c'est bon, il est ajouté à la liste. Et il devrait passer dans un prochain épisode. Avant de commencer, et avant de faire un commentaire sur le niveau, vous allez voir, si vous débarquez sur la chaîne, que c'est la première fois que vous voyez du Mario Maker, vous allez voir que je suis dans cette direction quand je joue. En gros, je suis comme ça, et j'ai quasiment claqué ma bouteille d'eau. Jusque là, tout va bien. Je suis simplement comme ça parce que l'écran de la console est de ce côté, donc on regarde l'écran de la console. Allez, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, donc on a un Geometry Dash versus Mario. Et 0,24% de réussite. Oh, je sens qu'on... va se marrer. C'est parti. Alors... J'ai pas fait gaffe, c'était quel Mario, c'est du Mario Bros. Ah, en plus, il faut courir. C'est du Mario... C'est du Mario World. Ok, donc on peut pas faire le brrrt sur les pics. Et donc, effectivement, en référence à Geometry Dash, c'est un jeu que je connais de nom, mais j'y ai jamais joué. Il paraît que c'est un jeu assez difficile, c'est une espèce de runner comme ça, où il faut esquiver des trucs qui t'arrivent sur la tronche, enfin je crois. Vas-y, cours mon petit Mario! Cours fiston! 4, il doit y en avoir 5, oui. C'est progressif, ou en plus il faut vraiment avoir des réflexes. Vas-y Mario, yes! Oh, les blocs musiques! J'espère juste qu'il y a un checkpoint quelque part dans le niveau, parce que sinon ça va être moche. Ok, donc il va falloir avoir des réflexes. Des réflexes, et en plus de ça, des réflexes. Et c'est en plus, on peut pas rusher, donc quelque part, on est poussé par le niveau. Ça risque donc d'être chaud patate. Mais, comme dira l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hop, 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 nice, parfait. Apparemment, ça faut vraiment de l'élan pour que ça marche, ce soir. Je pense qu'à partir de là, on va commencer à mettre un peu de montage s'il y a besoin. Je rappelle, le montage, c'est pas quelque chose. Enfin, les coupures, le montage, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup dans les séries en général. Et Mario Maker étant parfois riche en fail sans progression, pour garder le rythme, on va dire, je fais des petites coupures. Parce que voilà. Encore un petit peu, mon petit Mario. Ah bah oui, mon petit Mario. Allez, là, on rebondit bien. Parfait. Ouh, en plus, maintenant, il y a des si. Oh. Et la fin du niveau, je veux y aller! Allez, deuxième partie. Oh, une plume. Tu vas me dire qu'il faut voler. Oh, nice! Nice, nice, nice. Ah, et en plus, faut garder la plume. Oh, je sens que je vais tellement pas le réussir, ce level. Comment elle marche, cette putain de bordel de fût de plume de sa maman? Eh, tu m'étonnes que je vais pas le passer le niveau, je sais pas utiliser la cape. Mais ta maman, là. Ta mère sur mon tracteur. Bon. Pareil que d'après Internet, c'est pas si difficile ce que ça a manié la cape. Bon, on va voir. Alors pourquoi j'y arrive pas? Ta maman. Et bon, si je passe pas, je fais un autre level. Ouais, comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? J'ai fait quoi? J'ai fait un truc. J'ai fait un truc.
J'ai pas compris comment je l'ai fait, mais j'ai fait un truc. Attends, faut que je réessaye là du coup. Alors quoi j'ai fait? Oh, va chier. De toute façon, le temps que je comprenne, je vais perdre encore une demi-heure. Non, rythme tout ça. Level suivant. Allez, hop, circuler, y a rien à voir. Allez, étoile, parce que je suis pas comme ça. Et je pense quand même au temps que le créateur a dû passer à finir son propre level. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien. Allez! Deuxième niveau du jour qui nous a été donné par l'ami Scorpio. Oh, c'est parti! Enfin, d'abord, faut peut-être taper le code, hein, espèce de gros boulet. Ouais, c'est ça. Tac, 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 tac. Let's go! Alors, ce niveau sera Winners Don't Do Shrooms. Oh, d'accord. Donc, c'est un niveau où le champignon est un ennemi. Vu le titre, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'élite tous les champignons. Et bien sûr, on va vouloir m'en foutre des dizaines. Ça va être drôle. Merde. Ok. Ok, donc on esquive bien tous ces trucs-là. Hop, on esquive bien les champis. Je vais où, moi? Paf sur un champi! Bon, ah oui, d'accord. Ok, donc on est bloqué, c'est pas un peu de moi. Non. Ok. Je vois. Ça va être compliqué. Ah fuck! Et bien sûr, ils me donnent tous des champis, bande de bâtards, bande de bâtinges de crise de colis, comme on dirait au Québec. Non, tu vas pas me mettre un champi là? Vas-y, on va les laisser venir. Wow. Ta mère! En plus, les esquives sont pas très compliquées à faire. Ah là, faut tous les esquiver, je les ai tous pris! Sinon, c'est pas drôle. Ah, ta mère! Attends. Est-ce qu'on peut... Attends, c'est quoi? Je vais tenter un truc avec moi. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Parce que la plante est toujours là. Ah, le problème, c'est que ça... Ah, ça va trop couper, sinon c'est pas drôle. Donne-moi ça. Sors la plante, sors. Merci. Parce que si je dois être... Oh, merde. Oh, fuck ma vie. Yes! Non! Tame ta sœur! Ah, parce que bien sûr ces machins-là vont popper, sinon c'est pas drôle. Évidemment! Hop, redonne-moi ça, tu seras gentil. Au moins c'est bien, on a dégagé pas mal de champis là. Hop. Hop, hop. Oui. Esquivation! Oh, oh, oh. Non, on reste en bas. On les laisse passer. Non. Je ne toucherai pas aux champis. Les champis, c'est de la drogue. La drogue, c'est mal, vous voyez. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par là-haut? Encore des champis? Oh. Non. Non, bah y'a rien. Non. Et bon, on va passer. Il semble qu'il y a un champi qui sort du tuyau. Non. Ok. Ah. Yes! Je suis passé, tas de bitches. Ah non, ta mère.
bien sûr, tout ça donne des champis, sinon c'est pas drôle. Oh god. Attends, il y a le champi bizarre. Donne-moi ça. Voilà, on descend. Est-ce que je peux finir? Ah, est-ce que je peux rentrer là-dedans? Non. Là, non, là, non, là, non. Aurais-je loupé un épisode? Non? Je vois rien là, attends. Oh! Un bloc caché! Est-ce que de là je peux terminer sans... Bon. Est-ce que je peux terminer... Ah! Juste à la fin! Juste à la fin. Bon. Eh ben on va faire un petit peu de montage. Ok, jusque là tout va bien. Ok. On est bon. Non, ta mère. Voilà, on a fini le level, tas de bitches. Et dedans, il y avait un champignon. Eh ben, tout ça pour ça. Bon, bah, ben, en tout cas, c'est fait. Ça nous fait un autre level in the foufouille. Ça nous aura juste pris un quart d'heure. Allez, étoile. Allez, niveau suivant qui nous a été proposé par Nicolas. Et on va prendre... je sais pas trop lequel je vais prendre. Merde, je suis sorti du truc. Allez, on va prendre. Bon, on va prendre le premier niveau qui est dans la liste. Hein. Hop, c'est parti. Allons voir. Le stage est introuvable, ça commence bien. Pourtant, c'est bien ce que j'ai tapé. On va aller voir. Allez, on va voir. Je crois que c'était celui-là. Alors. Où qui m'a mis des niveaux? Non, c'était dans lui, je crois. Voilà, c'était là, je crois. Alors. Bah celui-là ne marche pas, donc du coup on va prendre le suivant. Alors on va le prendre directement dans le commentaire. Tac 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 tac. C'est parti. Celui-là a l'air d'exister. Super Metro... Oh. Non, ça c'est rien. Super Metroid Bros. U Hard Mode. Ouh, je sens que ça va être drôle. Et ben c'est parti. C'est parti. Ok, donc il y a un truc qui s'est activé quelque part. Où ça? Pas ici. Bon, on va peut-être essayer de grimper sur les plateformes quelque part, ma foi. On va essayer de grimper par ici, genre là. Je sais pas du tout ce qu'il y a par là, mais on va aller voir. Il y a un passage. Et on peut pas parce qu'il y a une grosse fleur. Une grosse plante piranha. Ah oui, ça faut pas que j'oublie qu'on peut wall jump. Et qu'on a ceci. Si je vais là-haut, est-ce que j'ai droit à un bonus? J'ai une vie. Ok, donc c'est pas là-haut, faut continuer quelque part ailleurs. Genre par là. Oui.
Ça a l'air très accueillant dans le coin. Ta mère. Oh, mais attends. En train de me demander si ces machins seraient pas juste super importants. Je sais pas ce que ça a fait, mais ça a fait quelque chose. Ok, donc il y a un truc à résoudre dans ce coin-là. Mais j'ai quand même réessayé le délire des trucs ici, parce que ça peut avoir son utilité. Ça active quelque chose, mais je vois pas quoi en fait. Mais il y a un truc qui rebondit. Soit. Bon, on va aller au seul endroit où j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Attends une seconde. Peut-être embarquer un de ces trucs-là. Vas-y, venez là tous les deux. Non, ah, mais pas par là, espèce de crétin. Voilà, ok. Ça te... Je suis débarrassé de toi. Et qu'est-ce qu'il y a par ici? Un champignon. Bien. Bah, ça me donne une petite marge de progression. Tout ce qu'il faut courir suffisamment vite. Fuck. À la limite, attends, il y a encore un de ces machins là. Hop. Non, toi, viens par là. Toi, et toi, ouais, toi. Mais non, mais non, là, bourrin. Mais ah. Oh, le champi revient, yes. C'est bon à savoir ça. Ah oui, c'est donné par un tuyau, c'est possible, c'est logique que ça revienne. Du coup, on va essayer de courir. Mais ta maman! Ouais, du coup, attends, j'ai un champi quelque part, on va aller le prendre. Donne-moi ça. Et je me demande s'il faudrait pas que je prenne un des... ce truc-là. Eh hey. Voilà, à part là. Genre, par exemple... Non. Voilà, on va aller voir ailleurs. Fuck. Oui, te suck. On va reprendre un champi. Moi un champi. Merci. C'est maintenant qu'on a un champi, je pense qu'on peut aller explorer un peu ailleurs. C'est à mon avis, l'objectif de cette zone, c'est juste de nous donner un champi. Je vais aller à droite. Non, voilà à gauche. Ok, donc on débloque l'accès à ce coin-là. Ok. Ok, on se... Oh, d'accord, ça peut nous donner... Oh, d'accord, j'ai compris. Ça nous donne un casque. Le casque va nous servir à passer les trompes. Ou les wombs, je sais jamais c'est lesquels. Mais ça va nous servir. Tant que j'y suis, je vais en profiter pour prendre un champi. Bon, ça maintenant, les tombes vont nous rebondir sur la tête. Hé les mecs! Et de là, je peux passer ici. Et ça va m'amener où ça maintenant? Donc, faut aller à gauche, donc du coup, je vais aller à droite parce que. Ok. Oh, d'accord. Ok. Non. Du coup, j'aurai besoin de reprendre un casque. Et du coup, je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose par là au moins? Oui, il y avait quelque chose. Ok, donc, il va falloir descendre par là. Et on a un combat. Ok, va falloir qu'on passe. Et peut-être qu'on amène quelque chose. Point d'interrogation. Wow! Ok.
Faut aller au... attends, en haut c'est un bloc quoi aussi, hé hé. Non, je peux pas. Allez. Eh ben, je peux me la mettre derrière l'oreille, mon petit roudoudou. Une seconde. Presque. Ok. Alors, j'ai un truc. On va essayer un truc. On va essayer quelque chose. Ça va être chaud patate à faire, mais c'est un peu le seul truc que je vois pour essayer autre chose. Oh merde, il va en falloir deux maintenant. Si j'y vais pas sans ma protection. Rappelez-vous les jeunes, sortez couverts. Voilà, donne-moi ça. Parce que si je peux, si j'ai réussi à le balancer dans l'interstice comme je l'ai fait tout à l'heure, je devrais pouvoir péter un des blocs. Non, reviens, reviens. Reviens, connasserie de truc. Donne-moi ça. Mais non, le tape pas, espèce de crétin, va. Alors qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh, ça me plaît. Ça me plaît. Eh, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ok, ça veut dire dégage de là. Mais du coup, attends, je peux passer quelque part là maintenant. Je peux passer quelque part. Alors déjà, toi tu dégages, voilà. Surtout maintenant que j'ai une fleur de feu, tas de bitches. Venez par là, bande de salopards. Ah, vous m'avez cassé les noix, et bah maintenant je vais vous péter les vôtres. Du coup c'est par... Non. Alors, on dégage ce truc là. Parce que c'est gratuit, du coup je peux passer ici maintenant. Du coup qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh! Qu'est-ce qu'il y a par là? Non. Oh! Va chier de fût de sa mère de te pu de tout ça, quoi! Vas-y, ça m'amuse plus, là. J'arrive pas à faire ce que je veux, je fais de la merde. Ce niveau, il est cool, franchement, c'est ça qui m'énerve, en plus. Il est cool, mais non, quoi, non. Non, je suis désolé, j'en ai marre de subir, de soumettre mes nerfs à ce genre de torture. Merde, à la fin. Bon, du coup, avec l'édition, je sais pas comment ça va faire. Allez, on va en faire un dernier. Parce qu'après ça, il me faut du calme. Et le dernier level qu'on va faire aujourd'hui nous a été donné par quelqu'un que vous connaissez sur la chaîne. C'est l'ami avec qui on a passé 17 vidéos à faire du pacifisme, du génocide et du neutre. Il s'agit de l'ami Mahogany qui m'a donné quelques niveaux il y a quelques jours. Et bah du coup, on va voir ce que ça vaut. Et on terminera sur son niveau, enfin sur le niveau qu'il m'a donné. Je sais de source sûre qu'il n'a pas Mario Maker, il a même pas du... Alors, Radical Runway. 2% de réussite. Putain, Mahogany. Je demande un niveau calme et toi tu m'envoies ça. Tu suces des poneys. Ah, t'es un boulet. Ah, t'es un plot. Voilà, c'est l'expression que je cherche. C'est l'expression consacrée qu'on a avec les potes, c'est t'es un plot. Bon, allez, dernier niveau de la journée. Ouh, je sens qu'on va se marrer. Mais allez, on va faire partie des 2%, vous allez voir. Ah, viens par là toi. Fuck. Aïe
mais à force de rager, je transpire. C'est pas du juste, ça. Saute, mon petit Mario. Voilà. Fort bien. Je me suis arrêté. Il faut pas s'arrêter dans ce genre de situation, mon cher Babouli Fred. Ok. Oh, il y a un interrupteur P. Ça peut être utile, l'interrupteur P. Non, en fait, c'est indispensable, l'interrupteur P. Il faut arriver plus vite que ça. Ok. Challenge accepted, dude. Ah, parce que tu vois, là, dans ce mode, je me mets en mode, je suis un dude. Mais saute, j'ai touché le bouton, là. Vilain. Oh, c'est malin, ça. Oh! Ah non, en fait, c'était là! C'était là! Ok, 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 ok! Ok, ok! 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 J'attends la viande! T'as vu? RPZ! Wesh! T'as vu? Tu m'expliques pourquoi ça a pas sauté tout à l'heure? Va chier. Pisse putain d'interrupteur. J'en ai marre. Ça se voit pas à la vidéo, mais ça fait presque une heure que je suis sur l'épisode de cette semaine. J'ai besoin de faire autre chose, de me changer les idées, et de penser à des choses normales. Et apparemment, quand je commence à parler comme ça, j'ai l'impression de devenir notre président. Côté un peu benet comme ça. Calme, cool, zen. Lexomil. Beaucoup de Lexomil. En plus, je suis sûr que c'est pas en vente là où j'habite, mais à part ça, tout va bien. Et je me suis encore pris le bloc. Où tu peux te le mettre, ton bloc, connasserie de level. Un indice. C'est à l'arrière. C'est vers le milieu de ton corps. C'est au début de tes jambes. Et si tu n'as pas compris que c'était le cul, et ben tu te le mets dans ton cul. Voilà. C'est... l'agressivité calme. C'est... tu balances des insanités sur le truc tout en étant si calme que comme si tu venais de fumer 15 joints. Mais à part ça, tout va bien. Moi, énervé? Oh, peut-être par le passé. Vous savez, vous me connaissez, je suis pas du genre à m'énerver. Et non, je vais pas faire un montage de toutes les fois où j'ai dit putain de merde. Parce que ça a déjà été fait. Le P, ta mère. C'est un piège. Je te déteste tellement. J'ai vu le drapeau de fin. Ça veut dire que le level, en fait, il est pas très long. Faut juste y arriver. Allez, j'y crois. Ouais, bon là l'interrupteur P, je pense que je peux me le foutre en plein dans mon postérieur. Hein, P comme postérieur. Mais saute, fils de chien, merde. Ah, putain, j'adore quand le bouton t'appuie dessus, il saute pas quoi. Oh, va-t-on y arriver? Eh oui! On l'a eu! Dans ton fesse, le level! Dans ton fesse, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu, là? T'as vu? J'ai réussi! Ça m'a juste pris 15 minutes, mais ça va.
Bouh! Sur ce, j'ai besoin de me reposer. Attends, t'es sérieux? Tu vas me dire qu'à un dixième de seconde près, on avait un record du monde? Oulala! Bref, sur ce, je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouveau numéro de Mario Maker. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur la ligne de pouce en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. Et sans plus, laissez un petit commentaire, un code de niveau si vous le souhaitez, partagez la vidéo, vous abonnez à la chaîne si c'est pas déjà fait. On va parler à la chaîne autour de vous, c'est le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. Et donc, en attendant de prochaines vidéos, je vous remercie une fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.